jour il est venu des hommes recherchant des arbres à couper. Il les coupait puis les vendait après. Il les coupait puis les vendait après. Ils s'en trouvaient le chèque qui bat. D'énormes, énormes outils. Et même s'ils avaient pu couper, ils n'auraient pas eu les moyens de le transporter. Car même pour les grands coupeurs d'arbres, le chiquitipa était géant. Car même pour les grands coupeurs d'arbres, le chiquitipa étaient géants. Ils ont coupé les autres arbres. Seul le géant est resté. Le temps a passé et Carangole a poussé. Et le géant a poussé plus encore. Devenu célèbre, plein de gens venaient le voir. On disait des poèmes, on jouait parmi ses feuilles, on alla sur son tronc. On aimait bien le bon géant. On venait de loin prendre une photo sous ses branches. On disait des poèmes, on jouait parmi ses feuilles, on alla sur son tronc. On aimait bien le bon géant. Et même quand la soignait, le jour où une c'était toute une branche accrochée tout là-haut. Des limaces géantes qui vivaient dans le chiquitipa avaient mangé petit à petit le bois. Et peu à peu, la très grande branche est tombée. Et un trou s'est ouvert dans le tronc. Les amis sont venus pour poser une espèce d'échelle en fer très haute. Le professeur de biologie est monté en haut du tronc pour faire un pansement. Il y a mis une sorte de teinture bleue pour que le bois ne pourrisse pas. C'est bon, ça marche, c'est bon. Sous ses branches, on disait des poèmes, on jouait parmi ses feuilles, on enlaçait son tronc. On aimait bien le bon géant. Chiquitipa et vit le feu. Courant très vite, il donna l'alerte. Et tout de suite, les amis arrivèrent. Le feu est énorme, le fleuve est si loin.
comment l'éteindre. Avec un tracteur, ils ont ramassé de la terre pour étouffer le feu. Mais étouffant les flammes, ils n'ont pas éteint les braises. Et les braises brûlaient le tronc en dedans. Elles brûlaient le tronc, elles montaient, dévoraient le tronc en dedans. Et l'arbre corrodé s'en allait en fumée, on aurait dit une cheminée. C'était très très grave, il leur fallait de l'aide. On tapait les pompiers, les gardes forestiers, journaux, télévision. Et a commencé la lutte de l'eau contre le feu. Les hommes sont venus avec un gros camion citerne, citerne. Ils remplissaient à la rivière Carangole et montaient le sentier jusqu'au Chiquitipa, arrosant, arrosant toute la journée sans s'arrêter. 12 fois par jour, le camion revenait, arrosant du point du jour jusqu'à la nuit. 3 jours sans s'arrêter, et le feu toujours vorace. Tant que le camion se rende jusqu'à la rivière, se remplisse et revient, le feu reprenait sa violence tout comme avant. Et plus grave encore, il s'est mis à pleuvoir. La pluie n'éteignit pas le feu, mais a dévasté la route. Et le camion n'arrive plus à monter. Les hommes sont devenus tristes. Le feu allait tout détruire, le Chiquitipa allait brûler jusqu'à mourir. Les hommes sont devenus tristes, le feu allait tout détruire, le Chiquitipa allait brûler jusqu'à mourir. Mes amis, l'espoir fait vivre, et pas seulement dans les livres, car la pluie soudain a cessé. Les hommes avec une scie ont fait un trou dans le tronc et sont entrés dedans. Là dans le tronc, c'était chaud comme en enfer, il tombait des charbons tout rouges. Un homme a pris un tuyau d'arrosage et l'a pointé vers l'eau pour qu'il arrose le cœur des flammes. Pour qu'il arrose le cœur des flammes. Ils ont arrosé du matin jusqu'au soir, 3 jours sans s'arrêter. Alors le feu a bout de force est mort. Les amis sont restés là. J'ai 8 hommes dedans. C'était une caverne avec des murs en charbon que le vent briserait peut-être, qui pourrait empêcher la sève de monter, qui pourrait faire suffoquer le pauvre bon géant. Les amis inconsolables se demandaient pourquoi. Pourquoi ? Par jalousie peut-être. Un méchant bonhomme avec son arme de feu a combattu les amis du bien et leurs épées aquatiques. Le feu était mort, mais peut-être aussi le géant.